Thank you.
ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Dieu, nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence, nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel, tu es venu habiter en nous, nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence, nous honorons ta présence. Esprit de Dieu, nous aimons ta présence, nous adorons ta majesté, nous célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, chers auditeurs, bonjour chères auditrices de la radio Sion, bonjour à vous tous qui nous suivez ce matin depuis YouTube, depuis Facebook, depuis Télé Nangaï. Nous sommes assemblés en ce jour pour célébrer notre Dieu, pour l'honorer, pour l'adorer, pour reconnaître qu'il est digne d'honneur, de louange et de gloire. Ce matin, il nous a fait la grâce d'avoir la vie. Alors nous voulons prendre ces premiers instants afin de l'honorer, afin de reconnaître qu'il est notre commencement, afin de reconnaître que lui seul mérite les premiers mots de notre bouche, que lui seul mérite notre attention, notre dévotion. Il est digne d'honneur ce matin, notre Dieu. Il est digne d'honneur parce qu'il est celui qui a tout fait pour nous. Il est celui qui a donné son Fils unique. Il est celui qui s'est sacrifié à la croix. Il est celui qui a quitté le ciel, qui s'est abaissé, qui a pris la forme d'un homme. Il est celui qui a accepté de mourir pour nous. Il a porté notre honte, notre ignominie. Il a pris nos péchés. Il est digne de gloire ce matin. Et c'est pourquoi nous voulons simplement élever nos voix. Nous voulons simplement lever nos mains en signe d'adoration. Alors là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, que tu sois dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans un moyen de transport, prends simplement le temps de créer une atmosphère d'adoration, une atmosphère de louange. Prends simplement le temps d'élever ta voix pour lui rendre grâce, pour l'honorer, pour le célébrer, pour lui dire combien il mérite la gloire. Combien ton Dieu est glorieux ce matin. Combien ton Père est digne d'être loué. Combien Jésus est digne d'être célébré. Combien l'Esprit est digne d'être honoré. Shakeri amandere basia reba shendara barobosia. Sheteri amandere basia reba shendere bosia. Que ce soit par l'Esprit ou par l'intelligence, mon frère, ma sœur, honore-le. Honore-le parce qu'il est digne d'honneur. Honore-le parce qu'il est digne de gloire. Il n'y a aucun Dieu qui soit comme lui. Il n'y a personne sur la terre qui soit semblable à lui. Il est digne d'être loué. Il est celui qui t'a sauvé, mon frère. Il est celui qui t'a sauvé, ma sœur. Malgré la pandémie qui sévit sur la terre, il a permis que toi, tu sois préservé. Et même si tu as été atteint, il n'a pas permis que cette maladie t'emmène à la mort. Il est digne de gloire, le Dieu de notre salut, notre rocher, notre bouclier. Ce matin, nous voulons te célébrer, Abba. Nous voulons te célébrer, Jésus, parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Chandeli erebasi tarabaye. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. La gloire et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire
et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Tu mérites la gloire. Tu mérites et tout honneur. C'est pourquoi ce matin je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Abba. Tu mérites la gloire, tu mérites et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire et tout honneur. Toi notre Seigneur, je lève les mains pour t'adorer. Et je bénis ton saint. Mon Dieu, tu mérites la gloire pour tes bienfaits dans ma vie. Et tout honneur. Alors je choisis. Je lève mes mains pour t'adorer. Et je bénis ton saint. Jésus-Christ. La gloire. Et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Jésus, tu mérites. Tu mérites la gloire. Toi, notre sauveur. Et tout honneur. C'est pourquoi je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Ce matin, tu mérites. Tu mérites la gloire. Bénis ton saint. Tu mérites la gloire. Tu mérites et tout honneur. C'est pourquoi je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Tu mérites la gloire. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Tu mérites la gloire. Ma vie à ma et tout honneur. Tu mérites la gloire. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint. Car tu point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi ce matin. Il n'y a point de Dieu comme toi, tu es grand, tu fais de si grands. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand Seigneur. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme nous toi. Déclarons. Tu es grand. Nous confessons. Tu fais de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es grand. Tu es grand. Tu
Dieu, malgré la pandémie, malgré le corona, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Capable de nous délivrer. Il n'y a point de Dieu comme toi. Dans l'univers, il n'y a point de Dieu. Toi, le Dieu fidèle, il n'y a point. Dont la fidélité dure d'âge en âge. Toi, notre sauveur, il n'y a point. Égalé ma sim de l'évaïque à la baba balobo chané de l'évocia. Alors est-ce que tu peux, mon frère, ma soeur, élever ta voix et dire au Seigneur qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme lui? Qu'il n'y a point de Dieu qui soit capable de sauver comme lui. Il n'y a point de Dieu qui soit capable de délivrer. Il n'y a point de Dieu qui soit capable de nous sauver, de nous racheter. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à ton Dieu qu'il n'y a point de Dieu qui soit comme toi? Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à Jésus. Il est le Dieu fidèle, le Dieu dont la fidélité dure de jour en jour, le Dieu dont la fidélité dure d'âge en âge. Ta fidélité est infinie. Il est notre roi, il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Il est digne de louange ce matin, il est digne d'adoration. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et dis à ton Dieu combien il est digne, digne de ta louange, digne de ton adoration, parce qu'aucun Dieu n'est fidèle comme lui. Aucun Dieu n'est fidèle comme lui. Il est le Dieu fidèle à sa parole, le Dieu qui dit une chose et qui l'accomplit, le Dieu qui a promis de nous garder et qui nous a gardés, le Dieu qui promet de prendre soin de nous et qui prend soin de nous. Est-ce que tu peux célébrer la fidélité de ton Dieu ce matin? Ce matin, nous voulons célébrer ta fidélité. Il est fidèle, il est fidèle. Maléke talamazia bachandele bozia. Il n'y a point de Dieu. Ta fidélité dure d'âge en âge. Merci. Et talamabozia bale. Yendala baba baba baba. Et tu nous as fait rentrer dans ta fidélité. Ce
nouvelle année de 2021. Elle durera toujours. Car tu parlera encore. Dieu aïe, aïe, aïe. Parce que nous savons au plus grand Dieu de fidélité. Tu es notre Dieu. Durera toujours. Nous avons moins d'autres dieux que toi. Ta fidélité. Elle a déjà commencé à parler en notre faveur dès le 1er janvier de cette année. Père, nous nous soumettons totalement à toi. Nous nous abandonnons totalement à toi. Et nous livrons comme des sacrifices. Parce que Père, lorsque tu nous vois, en réalité, tu vois la bonne odeur de Dieu. Tu vois le sang, l'aspersion du sang de l'agneau. Tu es le Dieu fidèle, Shemalia Mandere Bosia, Shamali Mazia, le fidèle, Shekaria Mandere Bosia Bade, ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera toujours, ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité durera, ta fidélité, ta fidélité durera toujours, ta fidélité. Cette journée nous demandons ta fidélité, ta fidélité, Abba ta fidélité, elle nous a gardés jusqu'à maintenant, elle nous a gardés toute cette nuit, nous chantons ta fidélité. Malgré la pandémie, elle parlera. Ta fidélité, ta fidélité. Laisse-nous te dire combien tu es fidèle. Laisse-nous célébrer ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité, mes études, ta fidélité, ta fidélité, nous voulons voir ta fidélité, expérimenter ta fidélité, tout au long de cette année, nous voulons ta fidélité. Jamais nous abandonner.
Cette semaine nous voulons dureras cette journée nous désirons Ce matin, nous célébrons ta fidélité, Seigneur. Tu es digne de gloire, toi, le Dieu fidèle. Ce matin, nous voulons entrer dans ta présence avec adoration, avec action de grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui dit une chose et qui l'accomplit. Tu es le Dieu qui promet et qui réalise. Tu es fidèle. Alors est-ce que tu peux simplement élever ta voix et rendre grâce au Père ce matin pour sa fidélité? Est-ce que tu peux dire merci à ton Dieu parce qu'il est fidèle? Il est le Dieu qui jamais ne trahit, qui jamais ne ment. La Bible dit « Il n'est pas un homme pour mentir ». Ni un fils d'homme pour se repentir. Alors si tu es reconnaissant d'appartenir à un Dieu fidèle, prends simplement le temps ce matin de lui rendre grâce, de l'adorer pour sa fidélité, mon frère, ma soeur. Et Kaziele Mabrosita Bale. Ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu es fidèle. Nous sommes reconnaissants d'appartenir à un Dieu fidèle. Parce que les hommes parlent, mais ils n'accomplissent pas. Les hommes parlent, ils peuvent avoir la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. Mais toi, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui a la volonté et tu es le Dieu qui a la capacité. Tu es le Dieu qui a promis de nous protéger et jusqu'à aujourd'hui, tu as montré ta fidélité. Tu es celui qui a promis dans sa parole de ne jamais nous délaisser, de ne jamais nous abandonner. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as montré ta fidélité. Tu as promis que même si 1000 tombent à notre côté,
10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Tu as été fidèle. Oh, ce matin, nous voulons simplement célébrer la fidélité de notre Père. Nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu digne de confiance. Nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu fidèle. C'est parce que tu es fidèle que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance. C'est parce que tu es fidèle que nous pouvons ce matin venir dans ta présence en étant conscients du fait que nous prions un Dieu fidèle, que nous prions un Dieu qui ne ment jamais, un Dieu qui ne déçoit jamais. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Et c'est par cette fidélité que tu nous as donné la vie ce matin. C'est parce que tu es fidèle que ce matin encore, nous avons la respiration. Parce que si cela ne tenait qu'à l'ennemi, hier soir aurait été notre dernière nuit. Mais parce que tu es fidèle, tu nous as gardés. Parce que tu es fidèle, tu nous as protégés et tu nous as donné le souffle de vie. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce au Seigneur? Parce que dans sa fidélité, il t'a encore donné la vie ce matin. Dans ta fidélité, il a encore renouvelé le souffle de vie en toi. Est-ce que tu peux valoriser la fidélité de Dieu et lui dire merci pour la vie qu'il t'accorde? Ishede Mabrosia. Ce matin, nous sommes reconnaissants, Abba. Parce que dans ta fidélité, tu nous as gardés. Dans ta fidélité, tu nous as protégés tout au long de cette nuit. Alors que l'ennemi a essayé par plusieurs moyens, par des flèches visibles, invisibles, par des incidents, des accidents, il a voulu mettre fin à nos jours. Mais toi, tu nous as gardés. Toi, tu nous as protégés. Parce que tu avais promis que toi, tu ne sommeilles ni ne dors et que tu veilles sur nous. Et ce matin encore, nous avons la respiration, nous avons la vie, parce que toi tu as été fidèle et tu nous as protégés. Nous te sommes ce matin, Père, infiniment reconnaissants, reconnaissants d'être en vie ce matin, reconnaissants d'être comptés parmi ceux qui respirent encore. Nous te valorisons, nous te bénissons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer à abonder en actions de grâce pour la fidélité de notre Dieu. La Bible dit que dans sa fidélité, le Père a envoyé le Fils selon qu'il avait promis. Car il est écrit que l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. Dieu avait promis d'envoyer un sauveur et il l'a prouvé il y a 2000 ans lorsque Jésus est venu sur la terre mourir pour nous. Alors tu vas prendre le temps de dire merci au Père parce que dans ta fidélité, il a envoyé un sauveur pour toi. Dans sa fidélité, il a mis en marche le plan du salut afin que ce matin tu aies la vie éternelle, afin que ce matin tu ne sois plus destiné à la perdition. Élève ta voix et rends grâce au Père pour sa fidélité, la fidélité de Dieu qui a permis que nous soyons sauvés ce matin. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à ton Seigneur? Est-ce que tu es en train de dire merci au roi? Est-ce que tu lui dis merci parce qu'il a été fidèle lorsqu'il a promis depuis le jardin d'Éden? Il avait promis qu'un jour la postérité de la femme viendrait écraser celle du serpent. Et il a été fidèle il y a 2000 ans. Il a envoyé la postérité de la femme. Il a envoyé son fils unique pour venir écraser, mettre un terme au règne de l'ennemi sur la terre. Oh, nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu as démontré ta fidélité. Oh, tu as démontré ta fidélité en envoyant Jésus à la croix. Nous sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants ce matin, notre Père. Nous sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre de la croix, pour Jésus qui est mort pour nous. Oh, ce matin, nous bénissons son nom. Nous bénissons ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons également rendre grâce au Père parce qu'il a été fidèle non seulement en envoyant Jésus, mais il a également démontré sa fidélité en envoyant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il avait promis d'envoyer à son peuple, il l'a envoyé sur son église. Il l'a répondu sur la terre il y a 2000 ans. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Père parce qu'il a accompli ce qu'il avait promis?
Il avait promis dans Joël que dans les derniers temps, il enverrait son esprit. Et il a accompli dans le livre des Actes. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis-lui merci de ce qu'il a été fidèle et il t'a donné le Saint-Esprit. C'est parce que tu as été fidèle que ce matin tu as l'Esprit qui vit en toi et que tu peux être appelé enfant de Dieu, que tu peux être le temple de l'Esprit. C'est à cause de la fidélité du Père. Est-ce que tu es en train de lui dire merci, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es en train de lui rendre grâce pour sa fidélité, pour le Saint-Esprit qu'il t'a donné dans sa fidélité? Ô notre Père, nous sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants de ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour l'Esprit qui vit en nous, pour l'Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous assiste, le Saint-Esprit qui est en permanence en nous et avec nous. Ô ce matin, Abba, reçois l'honneur et la louange. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois nos actions de grâce. Nous t'avons ainsi honoré ce matin et nous disons Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons continuer à recommander notre année entre les mains de Dieu. Nous voulons continuer à prendre du temps dans la prière pour bien commencer cette année 2021. Parce que nous sommes conscients que la qualité de notre année dépend du premier mois, dépend du début. C'est pourquoi au début de l'année, en ce mois de janvier, nous sommes en train de prier afin de recommander tous les mois qui viennent, afin de nous assurer que le mois de mars, le mois de février, le mois de juillet, le mois d'août seront couronnés de succès. Et le Seigneur nous a appris que si nous voulons avoir une année bénie, une année de réussite, nous devons, dans la prière, lui présenter notre année. Et Dieu nous a encore enseigné que tous les domaines de nos vies doivent lui être remis. Tous les aspects de nos vies, nous devons les lui consacrer, en particulier notre vie spirituelle. Dans le livre de Luc 11, le Seigneur nous a appris que si les pères de cette terre se focalisent sur les besoins du corps, sur le manger, sur la nourriture, sur les vêtements, le Père, lui, sa priorité est de combler nos besoins spirituels. Et le premier besoin spirituel que nous avons, c'est de connaître Dieu. C'est d'être rempli de Dieu. C'est d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Et nous avons donc compris par l'Esprit que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Hier, nous avons prié afin que Dieu nous aide à réaliser que si nous voulons connaître la volonté de Dieu pour nous en 2021, si nous voulons savoir ce que Dieu a prévu pour notre travail, pour nos voyages, pour nos entreprises, pour notre santé, pour tous les domaines, alors nous devons être des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons continuer à prier pour que Dieu nous remplisse de la connaissance de sa volonté. Parce que nous sommes conscients que sans la volonté de Dieu, sans la connaissance de la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas réussir cette année. La Bible dit dans Proverbes 29 au verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Par ce verset, le Seigneur nous montre que lorsque nous n'avons pas de révélation, lorsque nous n'avons pas la connaissance de la volonté de Dieu, nous sommes sans frein. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est de nous remplir de la connaissance de sa volonté afin que nous sachions exactement comment nous diriger. Alors sur la base de ce passage, nous allons donc élever la voix. Et nous allons demander à notre Père d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre que nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour nous de manière précise. Nous avons besoin que Dieu nous parle personnellement afin de nous donner une parole pour cette année 2021, afin de nous donner une parole qui nous dirigera en 2021. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix et prie le Père au nom de Jésus. Ce matin, nous venons te prier. Nous venons te prier, Père.
afin que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté. Tu as dit que quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Mais ta volonté n'est pas que nous manquions de révélation. Au contraire, tu veux nous révéler ta volonté. Tu veux nous donner une parole précise. Tu veux parler à chaque juste. Tu veux parler à chacun de nous. Nous donner une direction précise pour cette année. Oh, nous te prions ce matin. Ouvre les yeux de notre cœur, ouvre notre intelligence pour que nous puissions réaliser que toi, tu veux parler à chacun individuellement. Tu veux parler à chaque juste, tu veux révéler à chaque être humain quelle est ta volonté pour lui en cette année 2021. Oh, nous te supplions, Père, afin que nous puissions être conscients du fait que toi, tu ne veux pas seulement que nous ayons une volonté générale, une connaissance générale de ce que tu veux. Non, au contraire, toi, tu veux parler à chacun. Toi, tu veux parler à chaque juste. Tu veux remplir chacun de nous d'une révélation précise concernant sa vie, concernant ses projets, concernant ses entreprises. Tu veux nous parler individuellement. Oh, rends-nous conscients de cela. Ce matin, aide-nous à réaliser que nous avons besoin d'avoir la connaissance de ta volonté de manière précise. Oh, ce matin, parle-nous. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à prier le Père afin qu'il ouvre les yeux de notre cœur, qu'il nous donne de comprendre que nous avons besoin d'une parole précise de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu nous a appris hier que la Bible nous révèle la volonté générale de Dieu. La Bible nous révèle ce que Dieu veut pour tous les hommes. Mais la Bible aussi nous révèle ce que Dieu veut pour chacun de nous en particulier. La Bible ne parle pas simplement à la foule, mais elle te parle à toi. Elle te parle à toi, mon frère. Elle te parle à toi, ma sœur. Dieu veut nous donner en 2021, en ce début d'année, il veut nous donner une parole précise qui nous dirigera tout au long de cette année. Il veut nous remplir de la connaissance de sa volonté spécifique, afin que nous ne puissions pas vivre comme le reste du monde, afin que nous ne puissions pas faire ce que tout le monde fait, mais que nous puissions être guidés par cette parole que nous aurons entendue de Dieu. Alors si tu as compris cela, tu vas prier le Père afin qu'il ouvre ton intelligence pour que tu puisses comprendre combien il est important pour toi en ce mois de janvier, en ce début d'année, combien il est important que tu reçoives de Dieu une parole précise pour ton année, une parole que Dieu t'a adressée. Et cette parole sera une direction pour toi en 2021. Élève ta voix, mon frère, ma sœur, si tu as compris ce point de prière, et demande à Dieu d'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes combien tu as besoin d'une parole précise. Combien tu as besoin d'une parole précise de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te parler personnellement. Nous te prions ce matin, Père, afin que tu illumines les yeux de nos cœurs, pour que nous réalisions combien nous avons besoin d'une parole précise de toi. Combien nous avons besoin d'une parole précise de toi. Cette parole qui sera pour nous une direction. Cette parole qui nous montrera le chemin que nous devons suivre. Cette parole qui nous aidera à ne pas faire ce que la foule fait, mais à faire ce que toi tu nous auras demandé de faire. Père, ce matin, nous te prions, ouvre les yeux des justes dans le monde afin que nous puissions comprendre l'importance de recevoir une parole personnelle. En début d'année, tu veux communiquer à chaque juste une parole personnelle. Tu veux donner à chacun de tes enfants une parole
pour les guider, pour les diriger, pour les canaliser en 2021. Car tu as dit dans ta parole que Dieu fait toutes choses pour un but. Cela revient à dire que chaque année, il y a un but que tu veux atteindre dans nos vies. Et pour cela, tu nous donnes une parole. Oh, aide-nous ce matin à comprendre que nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette parole en 2021. Alors que nous sommes encore au premier mois de l'année, Père, nous te prions, aide-nous à réaliser que nous avons besoin de t'entendre, besoin d'entendre ta voix, besoin d'entendre une parole spécifique de Dieu, une parole spécifique de Dieu. Nous avons besoin que tu nous révèles ta volonté de manière personnelle, parce que c'est sur la base de cette volonté que nous marcherons. C'est sur la base de cette volonté que nous prendrons nos décisions. C'est sur la base de cette décision que nous saurons ce que nous devons faire en 2021. Nous te prions. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier le Père pour qu'il nous rende conscients que c'est la parole que nous recevons de Dieu en début d'année qui détermine la réussite ou l'échec de notre année. C'est lorsque Dieu nous parle, c'est lorsque Dieu nous donne une directive, c'est lorsque nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en début d'année que nous pouvons avoir l'assurance de réussir. C'est pourquoi tu vas prier le Père dans le nom de Jésus afin qu'il puisse te donner une parole précise. Tu vas prier le Père afin qu'il puisse te remplir de la connaissance de sa volonté de manière particulière. Que Dieu puisse te parler à toi, mon frère, à toi, ma sœur, et qu'il puisse te dire personnellement ce qu'il veut pour toi en 2021. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix et prie maintenant afin que Dieu te remplisse de la connaissance de sa volonté. Non pas une volonté générale, mais qu'il te donne une parole précise qui sera une direction pour toi. Est-ce que tu es en train de demander au Seigneur de te parler? Est-ce que tu es en train de prier afin qu'il te remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, qu'il te donne une parole précise, qui sera une direction. Et que la mabrosita le mazeke bababosita. Est-ce que tu es en train d'élever ta voix, mon frère, ma soeur? Prie le Père ce matin. Prie le Père ce matin afin qu'il te remplisse de la connaissance de sa volonté. Qu'il te parle personnellement. Alors que nous sommes encore au mois de janvier. Alors que nous sommes encore aux prémices de l'année. Demande au Seigneur de te parler. De te donner une parole. Une parole sur laquelle tu pourras t'appuyer. Une parole sur laquelle tu pourras prier. Une parole qui sera une directive, qui sera un garde-fou tout au long de l'année 2021. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de prier avec foi? Est-ce que tu es en train de prier le Père avec foi? Car il a dit dans sa parole, demandez et vous recevrez. Invoque-moi et je te répondrai. Alors si tu l'invoques avec foi, il te répondra. Si tu pries avec foi, mon frère, ma soeur, Dieu te parlera. Demande-lui de te remplir de la connaissance de sa volonté. Demande-lui une parole précise. Il est ma calabo, cheta bababosia. Il est ma zite, il est ma brosita bababosia. Oh, nous sommes conscients, Marekétésia, que tu es celui qui fait toutes choses par sa parole. Alors nous avons besoin de recevoir une parole de toi. Merci Seigneur de ce que tu nous remplis de la connaissance de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix
selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu fait toutes choses par sa parole et qu'il n'y a rien que Dieu fait sans sa parole, nous allons prier le Père afin qu'il nous donne de réaliser que c'est la parole que Dieu nous envoie en début d'année qui nous canalise. C'est la parole que Dieu nous donne en début d'année qui permet à Dieu de déployer sa volonté dans nos vies. C'est cette parole que Dieu nous donne en début d'année qu'il s'engage à manifester, qu'il s'engage à exécuter. Cela veut dire que si nous n'avons pas de parole de Dieu, si nous n'avons pas une parole spécifique de Dieu nous concernant, alors il n'y a rien que Dieu peut faire dans nos vies. Il n'y a rien à quoi nous pouvons nous attendre parce que Dieu ne manifestera que ce qu'il aura au préalable annoncé. Alors si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu fasse des miracles dans ta vie, il faut au préalable qu'il t'ait annoncé sa volonté pour toi. Tu vas donc prier le Père pour qu'il te donne de réaliser combien il est important de recevoir une parole précise. Mon frère, ma soeur, nous insistons sur ce sujet car cela est important. Nous allons prier le Père afin que nous puissions réaliser que c'est la parole que Dieu nous donne en début d'année. C'est cette parole qu'il s'engagera à exécuter. C'est cette parole qu'il s'engagera à rendre visible dans nos vies. Si tu as compris ce point, élève ta voix et prie le Père au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier le Père au nom de Jésus? Nous te prions ce matin afin que tu nous donnes d'être conscients, Père, que sans parole, tu ne peux pas agir. Sans parole, tu ne peux pas manifester ta volonté dans la vie d'un juste. Tu as dit dans Genèse, avant de créer, avant que la lumière apparaisse, la Bible dit que tu as parlé. Cela revient à dire que lorsque tu veux faire quelque chose dans nos vies, tu envoies au préalable une parole. Et c'est cette parole que tu t'engages à rendre visible. C'est cette parole que tu t'engages à exécuter. C'est pourquoi tu as encore dit dans ta parole que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors si nous n'avons pas une parole de toi, comment ta main sera en action? Si nous n'avons pas une parole de toi, comment pourras-tu te manifester dans nos vies? C'est pourquoi nous avons besoin en début d'année d'être remplis de la connaissance de ta volonté. C'est pourquoi nous avons besoin dès le début d'année d'avoir une parole. Et c'est sur cette parole que tu agiras. C'est sur la base de la parole que tu auras annoncée que toi tu te manifesteras dans nos vies. Alors s'il te plaît, Abba, rends-nous conscients que nous avons besoin d'une parole de toi. Besoin d'une parole de toi. Oh, nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 18 au verset 10, la Bible dit: l'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Nous voyons par ce passage que lorsque Dieu a voulu donner un fils à Abraham, il a envoyé une parole qui a annoncé ce que Dieu voulait faire dans la vie d'Abraham. Mon frère, ma soeur, Abraham ne s'est pas levé pour avoir un enfant seul. Il ne s'est pas levé, il a dit: j'ai envie d'avoir un enfant. Non, il s'est basé sur la parole de Dieu. Il s'est basé sur la parole que Dieu lui avait annoncée. Dieu lui a dit l'année prochaine, Dieu a dit en une année, avant la fin de l'année, tu auras un fils. Et c'est cette parole qui a guidé Abraham toute l'année. C'est cette parole qui l'a aidé dans toutes les décisions qu'il prenait, dans tous ses temps de prière. C'est sur la base de cette parole que Abraham a tenu ferme. Lorsque les temps étaient difficiles, lorsqu'il doutait, il s'est appuyé sur la parole que Dieu lui avait annoncée. Alors tu vas prier afin que Dieu te donne de réaliser
réalisé que c'est parce que Abraham avait reçu une parole qu'il a su exactement ce que Dieu pouvait faire pour lui, qu'il a su exactement ce que Dieu attendait de lui. Alors toi aussi, tu vas demander à Dieu, comme Abraham, qu'il puisse te parler afin que tu aies également la foi, afin que tu puisses résister. Lorsque le doute viendra, lorsque l'incertitude viendra, même si la pandémie augmente, mais parce que tu auras une parole, tu pourras tenir ferme comme Abraham. Alors prie le Père ce matin et demande au Seigneur. Il est magique et les balosia. Demande au Seigneur ce matin qu'il te donne la parole, une parole sur laquelle tu pourras t'appuyer. La Bible dit Abraham, espérant contre toute espérance. Il a espéré parce que tu avais parlé. C'est parce que tu avais parlé que lorsque les temps étaient difficiles, il pouvait tenir ferme. C'est parce qu'il avait reçu une parole qu'il savait qu'il ne pouvait pas mourir avant que cette parole ne se fasse chair. C'est parce qu'il avait reçu une parole qu'il pouvait tenir ferme, qu'il pouvait avoir la foi. Alors nous aussi ce matin, comme Abraham, nous te prions, donne-nous une parole précise pour 2021. Donne-nous une parole, dis-nous ce que tu veux faire dans nos vies en 2021. Oh, nous ne voulons pas vivre chaque mois et voir simplement les choses arriver. Nous ne voulons pas être surpris des événements. Nous ne voulons pas simplement subir ce que la vie nous emmène. Nous voulons être avertis d'avance. Nous voulons avoir d'avance, dès le début de l'année, ta volonté exprimée pour nous. Ta volonté exprimée pour nous. Oh, nous te prions ce matin au nom de Jésus. Comme tu as parlé à Abraham ce matin, parle-nous. Comme tu as annoncé à Abraham ce que tu voulais faire dans sa vie, alors annonce-nous aussi ce que tu veux faire dans nos vies. Annonce-nous ce que tu veux faire dans nos travails. Annonce-nous ce que tu veux faire dans nos familles. Annonce-nous ce que tu veux faire dans les domaines de nos vies. Donne-nous une parole, parce que c'est sur la base de cette parole que nous pourrons tenir ferme. C'est sur la base de cette parole que nous pourrons garder la foi lorsque les temps seront durs. C'est sur la base de cette parole. Alors s'il te plaît, Père, comme tu as parlé à Abraham, parle-nous ce matin. Comme tu as parlé à Abraham, parle-nous ce matin. Nous te prions. Yelemablo, Zika, la bababa, le ketezia. Chenalababo, zile baba, le ketezia. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et demande à Dieu une parole. Il a donné une parole à Abraham. Il a donné une parole à la femme tsunamide. Il a donné une parole aux aveugles. Il donnait toujours une parole. Alors demande à Dieu ce matin de te donner une parole. Une parole sur laquelle ta foi sera établie. Une parole sur laquelle tu pourras tenir ferme lorsque les temps seront difficiles. Lorsque tu as une parole de Dieu, mon frère, ma soeur, alors ton cœur demeure en paix. Lorsque tu as une parole de Dieu, mon frère, ma soeur, alors tu peux demeurer dans la joie. Lorsque tu as une parole de Dieu, même si on prolonge le confinement, même si la pandémie reprend, peu importe ce qui se passera, tu sais que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Et Kalamazoto, Remabra, Le Katanamazi, Le Babaose. Nous te prions ce matin. Parle-nous comme tu as parlé à Abraham. Donne-nous une parole pour 2021. Montre-nous, révèle-nous par ton esprit ta volonté pour nos vies, ta volonté pour tous les domaines de nos vies. Tu l'as fait dans la vie d'Abraham, fais-le pour nous. Tu l'as fait dans la vie de Moïse, fais-le pour nous. Tu l'as fait dans la vie d'Esther, fais-le pour nous. Tu l'as fait pour Matthieu, pour Pierre, tu l'as fait dans la vie de tous ceux qui ont cru à toi. Tu as parlé et tu as accompli ce que tu avais dit. Alors parle-nous aussi, parce que nous voulons marcher conformément à ta parole. Nous voulons nous diriger conformément à la parole que toi tu nous auras donnée. Donne-nous une parole prophétique. Donne-nous une direction prophétique, afin que lorsque les vents, lorsque les difficultés, lorsque les pluies viendront, que nous puissions tenir ferme, parce que nous serons conscients que nous sommes bâtis
que nous sommes établis sur la parole de Dieu. Merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu réponds à nos prières. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Avant de terminer ce temps, nous voulons recommander cette journée entre les mains de Dieu. Nous allons asperger le sang de Jésus sur notre journée, sur nos moyens de transport, sur tous les lieux où nous allons partir. Nous allons plaider les mérites du sang de Jésus, afin que le sang de Jésus nous garde, afin que le sang de Jésus nous protège, mais également afin que le sang de Jésus puisse attirer sur nous la grâce, la faveur, tous les bienfaits de Dieu. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix et recommande à Dieu cette journée. Recommande-toi, recommande ta famille, recommande tous tes rendez-vous, recommande tes décisions, plaide le sang de Jésus. Et kalamabrosi le bababa reke tandaro bozia. Chandele babalos. Ce matin, nous venons nous recommander à toi. Nous venons, Père, plaider le sang de Jésus sur nos vies. Oh, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Nous venons plaider ce sang sur nos vies. Que le sang de Jésus nous protège aujourd'hui. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos vies, sur notre santé. Le sang de Jésus sur nos conjoints, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos frères et sœurs. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons ton sang sur nos maisons alors que nous serons absents. Nous plaidons ton sang sur tous les moyens de transport que nous allons emprunter. Nous plaidons ton sang, Seigneur, dans tous les endroits où nous irons. Que ton sang nous protège, afin que là où l'ennemi a prévu d'envoyer des accidents, d'envoyer des incidents, de nous détruire, de nous blesser, que le sang de Jésus soit un pare-feu, que le sang de Jésus vienne de faire barrière contre toutes les flèches envoyées depuis le monde des ténèbres. Nous plaidons ton sang sur nos vies, nous plaidons ton sang sur tout ce qui nous appartient, le sang de Jésus-Christ, le sang qui dit des meilleures choses, que ton sang puisse dire de meilleures choses sur nos vies, que ton sang puisse parler victoire, que ton sang puisse parler réussite, que ton sang puisse parler gloire, que ton sang puisse parler santé, prospérité, grâce, abondance, que ton sang parle sur nous ce matin. Oh, nous plaidons le sang de Jésus, le sang qui a été versé pour nous, le sang de notre paix, le sang de notre joie, le sang de notre promotion. Que le sang de Jésus parle sur la vie de chaque juif. Que ton sang parle sur nos pays. Que ton sang mette la paix dans chaque pays dans lequel tu nous as placés. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous sommes gardés, protégés, bénis par le sang de Jésus. Honneur et louange à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi recommandé cette journée. Et nous disons Amen. Tu vas élever ta voix, mon frère, ma soeur, et tu vas rendre grâce au Père de ce qu'il a conduit ce temps, de ce qu'il a inspiré tous les sujets de prière et de ce qu'il a exaucé tout ce que nous lui avons demandé. Chandelia baremazia, shetala mabrosia. Abba, tu as dit rendez continuellement grâce. Alors ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu es celui qui nous a conduits. Nous voulons te rendre grâce de ce que tu es celui qui a entendu tous les sujets de prière qui sont montés à toi. Tu es celui qui a entendu et bien plus, tu es celui qui a exaucé. C'est pourquoi nous ne voulons pas attendre de voir pour te dire merci, mais nous voulons d'avance te rendre grâce. Nous voulons d'avance te dire merci pour l'exaucement à tous les sujets de prière qui sont montés à toi. Alors à toi, Seigneur, qui nous a entendus, à toi qui as prêté l'oreille à nos supplications, à toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi l'adoration, à toi les actions de grâce de ton peuple ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi rendu grâce ce matin. Et nous voulons simplement te dire Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre temps de prière.
Nous vous souhaitons une journée bénie dans sa présence et nous nous retrouvons ce midi pour l'heure de la prière. Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Dieu. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit. Nous aimons ta présence. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel. Tu es venu habiter en nous. Nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence. Nous honorons ta présence. Esprit de Dieu, nous aimons ta présence. Nous adorons ta majesté. Nous célébrons.